Doucement! Doucement, doucement! Voilà, Cécile, voilà! Ah! Tout de même! Pourquoi n'es-tu jamais là quand j'ai besoin de toi? Mais je suis là quand vous m'appelez! Trois fois, je t'ai appelé, trois fois. Vous êtes tellement nerveux, Cécile. Ils sont là? Quelques-uns, oui. Le grand salon est presque plein. Vous devriez descendre. Plus tard, plus tard. C'est un spectacle dégoûtant. Ils se ruent sur le buffet avant même de dire bonjour, à croire que les gens du monde ne mangent jamais chez eux. Ça vous coûte cher? Assez, oui. Trop cher? Ben dis-le, puisque tu en meurs d'envie. Au fond, tu as raison, on paye toujours trop cher. Et pourquoi, je te le demande? Pour permettre à cet imbécile de s'enrichir sur mon dos. Catherine n'est pas une imbécile. C'est elle qui fait marcher la maison. Ma maison? Elle est arrivée? Pas encore, non. Elle est modeste avec cela. On lance aujourd'hui un parfum qu'elle a créé, elle n'est même pas là. La modestie des petites gens. Elle a apporté beaucoup d'argent, Cécile. Et moi, je lui prête mon nom. C'est moi, son créancier. Que serait son argent sans mon nom? Mais votre nom, Cécile, que serait-il sans l'argent de Catherine? Donne-moi mon collier. Faut toujours mettre ses bijoux quand il y a des femmes dans une réunion. Ils sont faits pour ça. Pas pour attirer l'attention des hommes, mais l'attention des femmes. Toujours vigilante. Il est beau tout de même. Regarde ces pierres. Ah, tu sais combien il vaut? Rien. Ce n'est qu'une copie, Cécile. Le vrai est vendu depuis longtemps. Oh, t'es toujours là pour me rappeler les choses désagréables. Voilà 40 ans que tu es là pour me rappeler des choses désagréables. 42, Cécile. Ça fera 42 ans à Noël. Et Huguette, pourquoi n'est-elle pas venue m'embrasser? Elle est en bas. Elle reçoit à votre place. Avec Paul, naturellement. Avec Paul, oui. Ah, cette petite est idiote. Elle ne voit donc rien. Elle ne comprend donc rien. Mais que voulez-vous qu'elle comprenne, Cécile, puisqu'elle est amoureuse? Amoureuse, et alors? Huguette va avoir 25 ans. Oh, la belle affaire. Toutes nous avons eu 25 ans. Même toi. Même moi, oui. C'est pour ça que je comprends Huguette. C'est la mémoire des femmes qui fait leur malheur. Mais Huguette n'aura 25 ans qu'une fois, Cécile. Et si elle n'épouse pas l'homme qu'elle aime, elle sera malheureuse toute sa vie. Tu parles comme un mauvais livre. On n'épouse jamais l'homme qu'on aime. Ce serait la ruine des grandes familles. L'amour est une chose, la réussite en est une autre. Mais il n'y a pas que l'argent. Qu'y a-t-il d'autre? Quand on n'en a plus, on s'aperçoit bien que l'argent seul a de l'importance. Bon, le buffet a dû être mis à sac. Les journalistes sont leur récolte de ragots. Nous pouvons descendre. Allez, réponds. Allô? Allô? Oui, c'est ici. Elle est occupée pour l'instant, mais je suis la gouvernante. Je vous écoute. Oh, mon Dieu. Je la préviens tout de suite, merci. C'est... Eh ben, t'as fait une tête. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la femme de chambre de Catherine. Sa femme de chambre? Ah, ça c'est un comble. Elle peut pas téléphoner elle-même, non? D'abord, pourquoi n'est-elle pas là? Catherine ne viendra pas. Catherine est morte. Oh. Oui, monsieur le commissaire, morte, dans sa chambre. À quelle heure l'avez-vous trouvée? En rentrant vers 4 heures. Je savais qu'elle avait besoin de moi pour s'habiller, pour le cocktail. J'ai frappé à la porte de la chambre et je suis entrée. Et vous êtes entrée sans attendre de réponse? On ne répondait jamais. Comment s'est passée sa journée hier? Comme les autres, je suppose. Ben, c'est-à-dire? Elle s'est levée à 10 heures, quand je lui ai porté son thé. Oui. Elle a pris son bain, et puis elle est partie pour le laboratoire. Quel laboratoire? Bah, le laboratoire de l'usine de parfum. Elle y passait le plus clair de son temps. Elle n'a pas déjeuné ici, là? Non, jamais. Elle ne devait sûrement pas déjeuner. Vous savez comment sont les femmes de ce genre, monsieur le commissaire. Elles mangent un yaourt à midi, un quartier de pommes le soir. La peur de grossir, quoi. Non, mais pardon, de quel genre de femmes voulez-vous parler? Des femmes comme elle, pardi. Qui veulent rester jeunes le plus longtemps possible. Ok.
Quel âge avait-elle? Elle avouait 37 ans. Je suis bien sûr que ces 37 ans-là, elle les a gardés plusieurs années. Remarquez, elle avait raison, puisque tout le monde avait l'air de la croire. Même... Même qui? Ça ne me regarde pas. Elle faisait de son argent ce qu'elle voulait. Puisqu'elle lui en donnait, il aurait été bien bête de ne pas le prendre. Qui il? Monsieur Gérard. Monsieur Gérard? Gérard, c'est son grand nom, Paul Gérard. Il travaille aussi à l'usine de parfum. Il venait souvent ici. Le soir, de préférence. Moi, je l'aimais bien, il était drôle. Et avec ça, pas compliqué. Tout avait l'air de lui faire plaisir. Madame lui avait installé une petite chambre au fond de l'appartement. Mais il ne devait pas s'y plaire. Je ne me souviens pas avoir refait le lit une seule fois. Il préférait la chambre bleue. La chambre bleue? Eh ben oui, quoi, la chambre de madame. C'était sa façon à lui de payer son loyer. Je ne sais pas si monsieur le commissaire voit très bien ce que je veux dire. Si, je vois très bien. Bon, dites-moi... Léa. Oui, Léa. Je m'appelle Léa. Oui, c'est ça. Dites-moi, Léa. Vous donnez pas l'impression d'avoir beaucoup aimé votre maîtresse, vous, hein? Oui, en effet, non. Ah. Mais elle lui était bien égale. Elle m'avait pas engagée pour que je l'aime, mais pour que je la serve. Et pour le service, elle avait rien à me reprocher. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Que voulez-vous que je fasse, monsieur le commissaire? Il y a des gens faits pour servir, d'autres pour être servis. De ce côté-là, l'échange est facile. Ne vous dérangez pas, monsieur le commissaire, on sonne. C'est à moi d'aller ouvrir. J'ai fait le plus vite possible, patron. J'avais tellement peur que vous soyez parti. On t'a vu le légiste? Oui, c'est pas joli, joli. Bah, tu t'étonnes encore, toi. Un rapport de légiste, c'est jamais très beau. Allez, vas-y, je t'écoute, Maxime. Voilà, patron. Elle est morte empoisonnée. Ah. Elle a bu, enfin, ou du moins, on lui a fait boire de l'acide. De l'acide? Oui, de l'acide. Oh. Incolore et inodore. D'après le légiste, il s'agit d'un nouveau produit servant à activer la décantation de certaines essences de fleurs. C'est la victime elle-même qui avait mis au point cet acide. C'est un produit chimique dont l'effet était neutralisé à la mise en flacon des parfums par un procédé spécial. Est-ce que l'effet était immédiat? Eh non, patron, c'est là où les choses se compliquent un peu. Ouais. Toujours d'après le toubib, cet acide ne fut mortel qu'à la toute dernière phase de la digestion. Il se crée alors une hémorragie interne. Ouais. Donc, entre l'absorption de cet acide et l'hémorragie qu'il provoque, il peut se passer... 2 à 3 heures. Le légiste ne peut pas être plus précis. Ouais. Bon, attends une minute. Léa! Léa! Oui, monsieur le commissaire? Dites-moi, vous m'avez bien dit que vous aviez trouvé votre maîtresse vers 4 heures, hein? Oui. Peut-être quelques minutes avant, peut-être quelques minutes après. Madame m'avait demandé d'être là pour l'aider à s'habiller. Pour le cocktail, oui, ça je sais. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, cet après-midi? Pardon? Le commissaire vous demande ce que vous avez fait cet après-midi. Madame me laissait ma liberté tous les après-midi. Oui, ben justement, alors qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai quitté l'appartement vers 12h30, après avoir fait le ménage. Ah bon, vous aviez déjeuné, alors? Non, je... J'ai déjeuné avec mon ami. Chez lui? Non, à midi, il n'a pas le temps. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant à côté de son travail. Et vous aviez pris rendez-vous au restaurant? Non, je suis allée le chercher à son usine. Quelle usine? À l'usine de parfum. Il est employé au laboratoire. C'est insensé, commissaire. Savez-vous l'heure qu'il est? Il est 9h, madame. 9h du matin? Ah, du matin, oui. À cette heure-ci, commissaire, les honnêtes gens dorment encore. Oh, ben voilà qui est bien insultant, madame, pour tous ceux qui travaillent depuis longtemps déjà. Oh, naturellement, commissaire, je ne disais pas ça pour vous. Oh, ben naturellement. Ah, cette femme ne m'aura donc toujours apporté que des embêtements. Avec son argent, d'abord, avec lequel elle croyait pouvoir tout acheter. Avec ce Paul, ensuite, dont cette naïve Huguette avait fini par s'amouracher. Et maintenant... Mais qui est Huguette? Une petite nièce qui a toujours vécu avec moi. Et maintenant, la voilà qui se fait assassiner. Car, bien sûr, n'est-ce pas, c'est un assassinat. Bah, nous le pensons. Naturellement. Enfin, tout pour me contrarier. Ne croyez-vous pas que ce serait poussé bien loin la méchanceté, quand même? Non, vous ignorez de quoi elle était capable. Bref, commissaire, que voulez-vous savoir? Qui l'a tué? Ce n'est pas moi. Il doit falloir, pour ce genre d'exercice, beaucoup trop de calculs. Ce n'est pas mon fort. Pourquoi l'a-t-on tué? Sans doute parce que c'était une méchante femme. Faut bien de temps en temps qu'il y ait des exemples.
Vous voulez savoir si ça me fait de la peine? Aucune. Et vous me voyez furieuse. Furieuse, il n'y a pas d'autre mot. Être mêlé à un scandale ne me convient pas du tout. On ne s'assassine pas, monsieur, dans mon milieu. On se fait des procès, on médit les uns des autres, on ne se parle plus pendant des années. Mais on ne s'assassine pas, hein? C'est ce qui nous différencie des gens du vulgaire. Comment l'avez-vous connu? Qui? La victime, madame. Comment l'avez-vous connu? Ah, Catherine. Mais par mon notaire. Cet imbécile m'aura toujours fait faire des bêtises. Catherine avait de l'argent à placer et moi j'avais des difficultés financières. Grave? Oh, les difficultés financières sont toujours graves. Si vous avez de l'argent, vous seriez ça, commissaire. La concurrence est grande dans le marché des parfums. Des maisons se créent chaque jour qui nous inondent de produits bon marché. Tous les couturiers lancent des parfums pour accompagner leur collection. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Ce que je me mêle de faire des robes, moi. Bien qu'encore, ça ne doit pas être sorcier. Les femmes d'aujourd'hui s'habillent si mal. Et je ne vous parle pas des lois sociales, les allocations familiales, la sécurité sociale et les congés payés. Ah, si c'était à refaire. Malheureusement, tout le monde ne peut pas venir au monde avec un bleu de travail. Bref, mes affaires allaient mal. Les boutiques désertées, mon usine tournée au ralenti, j'avais besoin d'argent frais. C'est Catherine qui l'a apporté. Malheureusement, elle ne s'est pas contentée de ça. En plus, il lui fallait travailler. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Non seulement elle avait de l'argent, mais elle avait aussi des diplômes. Oh, c'était une remarquable chimiste. Elle s'occupa des laboratoires et peu à peu, c'est elle qui les a dirigés. Fort bien, il faut bien le dire. Elle dépoussiéra la maison, elle apporta des idées nouvelles. Bref, elle était dans le vent, comme disent les jeunes de toutes les générations. Elle fit même de la publicité, contre mon gré. Voir mon nom s'étaler sur tous les murs de Paris comme une vulgaire marque de pâte ou de poudre à laver. Enfin. Le monde moderne est ainsi fait qu'il y eut des résultats. La balance des comptes s'équilibrait peu à peu. En somme, pour vous, l'affaire était bonne. Oui. S'il n'y avait pas eu cette maudite échéance, on eût pu dire que l'affaire était bonne. Savez-vous, commissaire, ce que c'est qu'une échéance? Ma foi... C'est une invention diabolique, faite pour vous empêcher de dormir, et qui vous mène directement à la ruine. Oui, mais l'usage en est pourtant courant. Aussi, les gens n'ont-ils plus d'argent. Ils n'ont plus que l'illusion de la richesse. Cette illusion est plus dangereuse que la pauvreté. On vous donne de l'argent d'une main et on vous le reprend de l'autre. Le double. Car non seulement Catherine voulait rentrer dans l'argent qu'elle avait avancé, mais elle était intéressée aux bénéfices. C'est pratiquement malhonnête. Et vous aviez de grosses échéances? Ah, énorme. Monstrueuse. C'est bien simple, impayable. Enfin, vous venez de me dire que les affaires marchaient mieux. Les affaires, oui. Mes finances, non. Enfin, puisque les affaires marchaient mieux, vous aviez des rentrées importantes, quand même. Il paraît, oui. Comment ça, il paraît? Enfin, commissaire, vous savez qui je suis. Croyez-vous que j'allais tenir un livre de compte comme une ménagère? Il y a la vie courante, tout de même, dont il faut bien s'occuper. Et ne me dites pas que vous ignorez le prix des choses. Je ne sais pas l'argent qui rentre, c'est vrai. Mais je ne sais pas non plus l'argent qui sort. Enfin, votre notaire vous mettait pas en garde contre vos dépenses abusives? Oh, le pauvre homme, il eut passé le plus clair de son temps. Réduisez votre train de vie, me répétait-il, comme si dans ma famille, on réduisait son train de vie. Ah, si j'avais goûté, j'aurais vendu ma maison de campagne, abattu mes chevaux, renvoyé ma cuisinière, licencié mon chauffeur et mis à la porte ma femme de chambre. Enfin, commissaire, pouvais-je faire cela? C'est déjà très pénible de pas avoir d'argent. S'il faut en plus compter... Et ces échéances intervenaient tous les combien? Tous les 6 mois. Rendez-vous compte, ça fait 2 fois par an. Et la prochaine? La prochaine quoi? Bah, la prochaine échéance, madame. Ah, dans 4 jours. Ah oui. Et alors, naturellement, elle était impayable. Absolument. Commissaire, je vois que vous avez bien compris. Mais alors, qu'est-ce qui serait passé si cette échéance était restée impayée? Oh, eh ben... C'est très délicat de vous répondre, commissaire. Pour le savoir, il fallut que... Que Catherine restât en vie 4 jours de plus. Oui, oui. Ah, comme la vie est bizarre, commissaire. Le hasard fait si curieusement les choses. Le hasard serait-il criminel, madame? Enfin, répondez-moi, qu'est-ce qui serait passé? Ah, vous êtes terrible, commissaire, je sais pas, moi. Je suppose que j'aurais été saisie. Saisie? Moi? Quelle époque? Vous aviez bien signé un contrat avec la victime. Un contrat? Vous appelez ça un guet-apens, voulez-vous? Enfin, je suppose qu'il y avait une clause prévoyant la disparition d'un des 2 signataires. Ah oui, évidemment. Faut bien tout prévoir. Bien sûr. Et alors, qu'était-il prévu?
Mais le... Comment dire? Pas le, disons, le survivant. C'est ça, oui, le survivant devenait l'unique propriétaire de l'affaire sans remboursement d'aucune sorte aux héritiers. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? Qui? Moi? Ben oui, vous. Eh ben, comme tous les jours, commissaire, j'ai visité mon usine. C'est une vieille tradition qui date de mon grand-père. Il disait qu'il est bon que le personnel ait des rapports constants avec le patron, ou bien encourager le travailleur. Vous êtes allé au laboratoire? Naturellement. À quelle heure? On ne sait pas, moi, 2 heures, peut-être. Peut-être 2 heures et demie. Comment voulez-vous savoir l'heure exacte à laquelle on fait certaines choses? Donc vous avez vu Catherine? Mais bien sûr! Très peu, à la vérité. Le lancement d'un nouveau parfum demande un travail considérable. Là, elle venait... Eh bien alors, en somme, elle vous a laissé seule. Commissaire, je n'ai besoin de personne pour être chez moi. Vous avez bu? Comment? Non, ben, pardon, je veux dire, avec Catherine, vous avez bu au laboratoire? À 2 heures de l'après-midi? Vous rêvez, commissaire? Je ne suis pas de cette génération qui a toujours un verre à la main. Je désapprouve cette coutume. Bon, très bien, mais Catherine, elle a bu? Ah, oh, ça, j'en sais rien, moi. Peut-être. Ah oui, en effet, elle a fait installer un petit bar dans son bureau. Mais que de questions, commissaire, a-t-elle bu, n'a-t-elle pas bu? Qu'est-ce que cette question a de si important? Oh, il est si tôt, commissaire. Je suis une vieille dame, vous savez. Mais je vais vous laisser, madame. Mais avant, j'ai encore une petite question à vous poser. Savez-vous d'où Catherine tenait sa fortune? De ses maris. De ses maris, oui. Oh, du moins des deux premiers. Quant au troisième, à cette heure-ci, vous le trouverez sûrement chez lui. Je veux bien te déranger, mais alors tout le monde le soit. Non, monsieur le commissaire, ne vous excusez pas, vous ne me dérangez pas le moins du monde, surtout en de telles circonstances. Catherine morte et assassinée, dites-vous. Oh, quelle horreur! Mais comment ça, personne ne vous avait donc averti? Mais qui voulez-vous? Sa femme de chambre. Sans aucun doute, ignorait-elle mon adresse. Ses amis, ce n'étaient pas les miens. Quelqu'un de l'usine, je suis bien certain que personne n'y a songé. Enfin, c'est incroyable, ça, vous étiez son mari, après tout. Après tout, vous avez raison. Après le travail, après les amis, les relations. Je n'entretenais avec ma femme que des rapports de plus en plus lointains. Nous vivions chacun de notre côté, moins par lassitude de l'un ou de l'autre, mais par une sorte d'inaptitude à vivre ensemble. La vie n'est pas toujours facile, et le couple est souvent le plus exposé. Elle avait ses aspirations, j'avais les miennes. Ce n'étaient pas toujours les mêmes. D'autant que... Continuez, je vous en prie. Autant être franc, n'est-ce pas, monsieur le commissaire, puisqu'aussi bien vous allez fouiller dans ma vie. Mon aspiration à moi est de ne rien faire. C'est ma seule ambition et ma seule occupation. On s'imagine mal, les forces la demandent, ne rien faire. Il faut être finalement toujours sur la brèche. Catherine, au contraire, avait une ambition dévorante. Quoi qu'elle obtienne dans la vie, cela ne la satisfaisait jamais. Un empire ne l'aurait pas contentée, car un empire a forcément des frontières. Cela vient, je pense, de ce qu'elle ne fut jamais tout à fait heureuse. Ce sont les circonstances qui l'ont faite riche. Elle n'y était pas prédisposée. Elle se fit d'abord une situation par elle-même, par sa seule volonté. Le hasard ne la favorisa que beaucoup plus tard. Le hasard? Oui, son premier mariage d'abord, qui la laissa veuve très vite et à la tête d'une jolie fortune. Son second mari ne démérita pas. Il mourut lui aussi très vite et la fortune de Catherine se trouva du même coup doublée. Mais cela ne lui suffit pas. La possession en appelle une autre, c'est cette course qui explique que certaines grandes réussites. Maîtresse d'elle-même, indépendante, Catherine partit à la conquête du monde. Pourquoi l'avez-vous épousée? C'est elle qui m'a épousé, monsieur le commissaire. C'est très différent. Elle s'est acheté un mari parce que j'étais dans ses moyens. J'étais le compagnon idéal, mondain, décoratif, comme elle disait.
toujours vacant. Par vocation, toujours attentif. Mon attention, pourtant, fut prise en défaut. Paul. Vous êtes déjà au courant ? Paul, oui. Qu'elle rencontra au laboratoire et qu'elle décida d'obtenir. Ah, mais ne vous y trompez pas. Elle ne l'aimait pas. Seulement, Paul était déjà engagé. Et pour Catherine, c'était une lutte à mener. La victoire de l'argent sur la jeunesse et sur la bourgeoisie. Catherine était un personnage de roman. Est-ce que vous l'aimiez ? Aimons-nous notre banque, monsieur le commissaire ? Je n'aimais dans Catherine que sa solidité, l'ambition qu'elle avait, la vie qu'elle m'assurait. Non, je ne l'aimais pas, mais je l'admirais, ça oui. Bon, si je vous ai bien suivi, monsieur, votre règne semblait sur le point de se terminer, quand même. Ce n'est pas tout à fait exact, monsieur le commissaire. Il était terminé. Ah bon ? Catherine voulait divorcer. Ah oui ? Et vous aviez accepté ? Ah, non, jamais, ou alors... Ou alors, contre un fort dédommagement. Vous comprenez les choses à demi-mot, monsieur le commissaire. Mais elle avait refusé à son tour. Vous étiez marié sous contrat ? Ah oui, bien sûr. Catherine s'offrait un mari, mais la lune de miel ne lui faisait pas perdre la tête. En somme, vous voulez savoir si la mort de Catherine me laisse quelque chose ? Eh bien, oui. Pas la totalité de sa fortune, mais suffisamment pour voir venir, comme on dit. Si vous préférez, une rente. Où étiez-vous hier ? J'étais à Longchamp. Vous étiez à Longchamp tout l'après-midi ? Non, pour la 5e course. J'ai rencontré des amis. Il devait être 4 heures. Et avant ? Avant ? Oui, avant 4 heures. Je ne connais guère les usages en cours à la police, mais je sais que vous allez essayer de tirer parti de ce que je vais vous dire. Avant 4 heures, j'ai vu ma femme. Où l'avez-vous rencontrée ? Où les chasseurs capturent-ils les aigles ? Dans leur air. J'ai vu Catherine sur le lieu de ses exploits, dans son laboratoire. Et vous l'avez rencontrée à sa demande ? Non. Et je suppose que c'est ici que le bas va blesser. Je passais devant le laboratoire, je suis monté sans autre réflexion. Oui, je reconnais que c'est une coïncidence malheureuse. Et vers quelle heure c'était, ça ? Il est difficile d'être précis. Vers 2h30, peut-être. En fait, je ne l'ai pas vue. Elle était dérangée sans cesse. Il régnait une grande agitation, le baptême d'un nouveau parfum, je crois. Poudre d'été. Elle vous a offert un verre ? Vous voulez savoir si Catherine m'a offert à boire ? Bah oui, ma question n'a pas d'autre sens. Oui, elle m'a offert un whisky et nous avons trinqué. C'est d'ailleurs la seule chose qu'elle m'ait offerte. Ce que vous voulez dire par là ? Que j'étais monté chez Catherine pour lui demander de m'aider. J'avais... Enfin, j'ai toujours besoin d'une certaine somme d'argent. Une dette de jeu, pas énorme, mais qu'il me faut rembourser très vite. Quand ? Ce soir. Elle refusait ? Oui. Peut-être aurais-je pu la persuader d'accepter si nous étions restés seuls davantage. Mais elle a été appelée. Comme elle tardait à revenir, je suis parti. Et voilà. Et vous êtes allé au cours. Eh oui. Je n'ai d'ailleurs pas eu plus de chance. Ben si, pourtant la chance a tourné quand même, monsieur. Vous allez pouvoir maintenant emprunter vraisemblablement sur la rente qui va vous être versée. Oui, je le pense aussi. Eh oui. Vous étiez invité au cocktail qui devait avoir lieu le soir ? Non. La brave Duchemin m'en avait bien touché un mot, mais Catherine n'aurait pas aimé ça. Je n'étais pas homme à lui tenir tête. Oui, je vois. Bon, eh ben... Je crois que nous en avons terminé. Je vous accompagne. T'en prie. Je pense, monsieur le commissaire, qu'il est très embêtant que j'ai rencontré Catherine hier. Embêtant pour qui ? Pour elle ? Non. Je veux dire... Écoutez, monsieur le commissaire, je sais que ce que je vais vous dire n'est pas un argument bien solide, mais je suis égoïste. Et j'aime bien trop la vie pour me la compliquer d'une telle façon.
Tous, ils aiment la vie. Et tous me semblent singulièrement égoïstes. Et tous, ils ont un mobile pour avoir pu supprimer Catherine. Oui, et des mobiles tellement importants, c'en est presque gênant. Ils sont si évidents qu'ils ne s'en cachent même pas. Ne vous plaignez pas que la mariée soit trop belle. Non, mais enfin quand même. Enfin voyons, la mort de Catherine leur profite à tous. D'abord à la vieille dame qui retrouve sa maison en ordre de marche et sa fortune pratiquement gonflée. Oui. Elle va même retrouver le luxe de ses anciennes années et pendant quelque temps, elle va pouvoir dilapider sans compter et sans menace d'échéance tout l'argent que Catherine a investi dans l'affaire. Et voilà, il y a le mari aussi. Oui, il y a le mari aussi. Sur qui pesait la perspective ruineuse d'un divorce. Et Léa, que vous semblez laisser de côté. Léa. Ben oui. La femme de chambre de Catherine. Oh oui, oh, c'est bien la seule qui ne gagne rien à cette disparition. Oui, oui, mais rappelez-vous qu'elle n'aimait guère sa maîtresse. Oui, oh bah ça, mon bon Maxime, si toutes les bonnes qui n'aiment pas leur maîtresse les assassinaient, il n'y aurait plus de bourgeoisie. Oui, oui, mais souvenez-vous que son ami est employé au laboratoire. Ouais. Et qu'elle pouvait avoir accès, grâce à lui, au stock de produits chimiques. Bah oui, mais pour quel motif, hein? Pour quel motif? Je ne sais pas, moi. Elle est peut-être folle. Peut-être folle, oh, t'as toujours des solutions faciles. Bon, bah allez, viens déjeuner, parce que nous continuerons tout à l'heure. Parce qu'il y en a encore un qui semble n'avoir aucun intérêt à la mort de Catherine. C'est ce monsieur Gérard, là, Paul Gérard. Aucun intérêt, monsieur le commissaire. Je dirais même que cette disparition subite m'ennuie beaucoup. Oui, et puis peut-être aussi vous fait-elle de la peine. Non, non, je vous en prie, monsieur le commissaire, soyons francs. Je n'éprouve aucune peine et vous le savez bien. Et par contre, c'est vrai, je suis très ennuyé. Toute ma carrière était entre les mains de Catherine. Et sa fortune était entre les vôtres. C'est un échange loyal de bons procédés. Vous avez une façon succincte d'expliquer les choses, mais en fait, c'était un peu ça. J'avais pris un certain ascendant sur Catherine, et cela assez rapidement. Elle écoutait volontiers mes conseils. Et si elle a réussi dans cette maison, c'est en grande partie grâce à moi. Oui, puis peut-être aussi grâce à son argent. Ah non, 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 détrompez-vous. L'argent ne fait pas tout. Il faut aussi un esprit de décision, un certain talent pour les affaires. Il faut avoir le sens de l'intérêt immédiat et ne pas perdre de vue pour autant son intérêt futur. Ah oui, et alors cet esprit de décision, ce certain talent pour les affaires, cette vision rapide et étendue des choses, c'est vous qui les possédiez. C'est moi. Ah. Bah pourtant, avant l'arrivée de Catherine dans cette maison, vous n'y réussissiez pas particulièrement. Mais parce que je n'avais pas l'argent nécessaire. Je savais ce qu'il fallait entreprendre pour sauver cette maison, mais je n'avais aucun moyen pour le réaliser. Mmh. Catherine m'a donné ses moyens, nous... Oui, nous nous complétions. Mais l'amour dans tout ça... L'amour? Bah, oui. La chambre bleue. Ah. Mmh. Catherine était une fort jolie femme, monsieur le commissaire. Et d'autre part, j'ai appris très vite que la chambre bleue, comme vous dites, était la solution la plus sûre pour garder Catherine que l'ambition, tôt ou tard, aurait éloignée de moi. C'est vous qui l'a poussée à divorcer? Non. Mais est-ce qu'elle avait l'intention de vous épouser? Je pense que oui. Et vous? Vous l'auriez épousée? Si l'on considère le mariage comme un marché, oui, monsieur le commissaire. Je l'aurais épousée. Et Huguette? Huguette? Est-ce bien nécessaire de la mêler à tout ceci? Bah, elle vous aime, on m'a dit. Oui. Et vous? Vous l'aimez? Vous voulez savoir si j'aime Huguette? Ah oui. Elle est sans doute ce qu'il y a de plus pur dans ma vie, de plus propre, de plus secret aussi, mais... Mais quoi? Eh bien... Enfin, disons que je n'ai pas les moyens d'aimer Huguette. Oh. Pourtant, si vous considérez le mariage comme un marché, l'affaire n'était pas mauvaise. C'est à Huguette que reviendront ces magasins et cette usine de parfums, n'est-ce pas? Oui. Alors? Mais à l'époque où j'ai pu envisager d'épouser Huguette, les magasins étaient vides. Et l'usine au bord de la faillite. Après, Catherine est arrivée. Et il ne fallait pas être grand clerc pour comprendre qu'elle finirait par devenir la seule propriétaire de l'affaire. Mais je comprends. Mais maintenant... Maintenant? Ben oui, maintenant, les dettes sont épongées, les magasins sont prospères, l'usine tourne à plein rendement. Catherine est morte, mais l'argent qu'elle a investi demeurera jamais dans cette affaire. Huguette, monsieur Gérard, a de quoi remplir sa corbeille.
Vous n'avez pas vu ça, vous qui serrez de si près, votre intérêt immédiat et votre intérêt futur? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait hier après-midi? Oh, bah, je n'ai pas bougé de l'usine. J'y ai même déjeuné rapidement. Le lancement d'un nouveau parfum demande... De poudre d'été. Oui, le lancement de poudre d'été est un travail délicat. Oh, le succès s'annonce bien, mais il ne faut rien négliger. Et ce parfum, c'était une création de Catherine? Ah non, non. Bah, pourtant... Oui, je sais, on vous l'a dit, mais ça n'est pas vrai. C'est moi qui ai trouvé la formule. Ah bon? Catherine se l'appropriait par orgueil. Catherine était une chimiste médiocre. C'est moi qui ai créé poudre d'été. C'est moi aussi qui ai découvert le procédé pour réduire le prix de revient. L'acide, oui. Pour la décantation rapide des essences de fleurs. Comment vous le conservez, cet acide? Bon ben, en bonbonne, dans les ateliers. Et nous en gardons un échantillon dans notre bureau. Oui, le bureau que nous occupions, Catherine et moi. Et cet échantillon, il était sous clé? Oh non! Non, c'est un petit flacon que nous gardions comme témoin de notre réussite. Enfin, si vous voulez, c'était... Oui, c'était comme un fétiche, plus qu'autre chose. Mmh. Si cela eût été possible, je l'aurais pendu à mon cou comme une amulette. Oui, alors si je comprends bien, ce flacon pouvait passer de main en main sans que ça paraisse suspect. Suspect? Mais à qui? Oui, vous m'avez un petit renseignement là. Une formule de parfum. Mmh. C'est pas déposé, ça? C'est pas classé, répertorié? Si, bien sûr. Alors la formule de poudre d'été a été déposée il y a longtemps? Non, il n'y a pas longtemps. Comment ça? Bien, Catherine voulait inscrire cette formule sous son nom. Moi, je ne le voulais pas, cette formule étant ma propriété. Finalement, nous sommes convenus d'une cote mal taillée. Nous devions la déposer ensemble comme le résultat de recherches communes. C'était ce qui nous a paru le plus équitable. J'avais trouvé la formule, Catherine finançait son exploitation. Et cet accord est intervenu quand? Hier après-midi. Comment sont payés les chimistes dans cette entreprise? Ça dépend. Certains sont au mois, d'autres sont au contrat et touchent un pourcentage sur les produits qu'ils créent, comme moi d'ailleurs. Oui. Alors, après cet accord, enfin disons cette cote mal taillée, comme vous dites, quand deviez-vous déposer cette formule? Ce matin. Vous l'avez fait? Oui. Écoutez, monsieur le commissaire, pour vous éviter une dernière question, je vous dis tout de suite que je l'ai déclaré à mon seul nom et que j'en suis le seul bénéficiaire. Ah. Mais cela n'aurait servi à rien de mettre le nom de Catherine au bas d'un contrat, maintenant. Maintenant? Ah non. Avez-vous déjà imaginé, commissaire, comme notre vie serait monotone si le café n'existait pas? D'abord, nous ne pourrions plus nous plaindre de ces maladies nerveuses qui nous occupent tant. Et ensuite, ça nous priverait de ces agréables réunions autour d'un service de Sèvres et en charmante compagnie. Je suis très heureuse, commissaire, vous ayez accepté cette petite invitation. Je vous trouve très... très décoratif, malgré votre curieux métier. Et vos efforts pour aboutir me paraissent très sympathiques. Mmh. Inefficaces, mais sympathiques. Seule votre discrétion m'irrite un peu, car nous n'avons toujours rien, ni comment Catherine fut tuée, ni pourquoi. C'est pousser le suspense, comme on dit maintenant, un peu loin, hein, ne trouvez-vous pas? Avez-vous déjà entendu parler du secret professionnel, madame? Oh oui, bien sûr. Mais cela cache souvent une ignorance totale du chemin de notre tasse pour le commissaire. Non, merci vraiment. Car si vous aviez trouvé votre coupable, vous auriez quitté cette maison avec un d'entre nous, muni de solides menottes. D'ailleurs, l'insistance que vous mettez à rechercher un coupable parmi nous est à peine courtoise, vous savez. Remarquez bien que je ne vous en veux pas. Ça m'a donné de vivre une expérience que sans vous, je n'aurais jamais connue. Répondre à un interrogatoire. Somme toute, c'est follement amusant. Surtout quand on passe au travers. Ah, pas pour vous. Pour vous, naturellement, c'est moins drôle. Oui, mais je n'ai pas terminé, madame. Ah? Non. Si j'ai accepté de prendre le café chez vous, c'est une manière, enfin, disons, courtoise de continuer mon enquête sur place. Oh! Ah, si, car il me reste quelqu'un à interroger. Moi? Huguette? Mais oui, ma tante. Pourquoi pas moi?
N'est-ce pas, monsieur le commissaire? Mais certainement, mademoiselle. Mais tu es une enfant. Elle a 25 ans, tout de même. Mais c'est bien ce que je dis, c'est une enfant. Cécile est incorrigible, monsieur le commissaire. Huguette restera toujours une enfant et n'aura jamais l'âge de raison. Mais j'espère bien qu'elle ne l'aura jamais. Une vraie femme n'a jamais l'âge de raison. Toi, du chemin, tu es née avec l'âge de raison, mais tu n'es pas une femme. Ma tante. Eh ben quoi, ma tante? C'est pas méchant, ce que je dis. Du chemin est venu au monde avec la vocation de se dévouer pour les autres. Le dévouement n'est pas une vocation féminine. N'écoutez pas ma tante, monsieur le commissaire. Elle joue à être méchante. En réalité, elle m'aime beaucoup et elle aime beaucoup du chemin. Mais bien sûr que je vous aime. J'ai besoin du dévouement des autres, moi. Revenons à nous, commissaire. Je vous en prie. Et en admettant que vous questionnez cette petite, qu'allez-vous lui demander? Si elle a tué Catherine? Huguette est une enfant, mais ce n'est pas une imbécile. Elle vous répondra non. Ce qu'elle faisait hier après-midi, elle s'affairait ici à préparer un cocktail pour 200 invités. Humeurez-vous aussi si elle est satisfaite de la disparition de Catherine, mon Dieu. Elle a tout lieu de l'être. Voilà, commissaire, j'ai mené votre enquête et beaucoup plus vite que vous. Oui, certainement, madame. Je vais lui demander tout ça, mais j'ai une méthode qui n'est pas la vôtre. Ah? Non, moi je pose les questions et je ne donne jamais les réponses. Ah, vous y tenez vraiment? Eh ben, allez-y. Voilà le terrible avec les gens de la police. Dès qu'ils ont une idée arrêtée, il faut que ce soit une idée fixe. Enfin, allez, commissaire, allez, nous vous écoutons. Ma tante, vous ne croyez pas qu'il vaudrait... Tu veux que je m'en aille? Ah, ça, c'est insensé. Mais que peux-tu avoir à raconter? Ah, je sais. Je vous préviens, commissaire, qu'elle va vous parler de son fameux Paul Gérard, un incapable. Si vous m'en croyez, ayez l'œil sur lui. Tenez, mettez-le en prison. Je vous fais donner une décoration. Ma tante! T'as raison, du chemin. Cette petite a l'âge de raison, elle ne comprend plus la plaisanterie. Eh bien, nous vous laissons, commissaire. Alors, tu viens du chemin, oui? Méfiez-vous, commissaire. Cette petite vous racontera sûrement des mensonges. Elle est amoureuse. Eh ben, votre tante est un personnage. Oui, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas trop la prendre au sérieux. Elle interprète le personnage de la vieille dame intolérante et autoritaire, mais je pense qu'elle n'y croit pas beaucoup elle-même. Elle nous offre en somme l'image qu'on attend d'elle. C'est une grande petite bonne femme. Vous vivez avec elle depuis longtemps? Depuis 25 ans, je pense. Mes parents sont morts quand j'étais au berceau et j'ai toujours vécu ici. Ma tante est devenue ainsi ma seule famille. Avec du chemin, bien sûr. Du chemin. Enfin, pourquoi appeler cette dame du chemin à tout court, comme ça? Un caprice de ma tante, commissaire. Malgré toute l'affection qu'elle a pour du chemin, elle n'a jamais pu se résoudre à l'appeler par son prénom. Autrement, dit-elle, comment saurions-nous qu'elle ne fait pas partie de la famille? C'est à la fois cruel et gentil. Ouais. Et à force d'entendre appeler du chemin par-ci, du chemin par-là, eh bien, ce nom est entré dans nos habitudes. Les méchantes langues soutiennent que ma tante l'appelle du chemin pour ne pas avoir à lui souhaiter sa fête. Dites-moi, mademoiselle, pourquoi avez-vous désiré me parler en particulier? Parce que ma tante, tout à l'heure, ne vous a pas dit tout à fait la vérité. Ah? Oh, pas pour vous mentir, monsieur le commissaire, mais par ignorance. Et comme je ne veux lui donner aucune espèce d'inquiétude, Il est inexact qu'hier, j'ai passé tout l'après-midi ici à la préparation du cocktail. Je suis allée au laboratoire. Pour y rencontrer Paul Gérard? Non. Pour y rencontrer Catherine. J'ignore, monsieur le commissaire, ce que vous savez exactement, mais j'ai l'intention d'épouser Paul Gérard. Bah, écoutez, pour vous mettre tout à fait à l'aise, mademoiselle, je sais que Catherine avait la même intention. Mais vous avez sur elle le privilège de l'âge. Vous êtes gentil, monsieur le commissaire. Mais elle avait sur moi le privilège de la fortune. Quoi qu'en pense ma tante, je ne suis plus une enfant. Je sais très bien que Paul n'aurait pas hésité une seconde. Je ne veux pas dire que Paul ne m'aime pas, monsieur le commissaire. Je veux simplement dire qu'il aurait épousé l'usine. Alors pourquoi êtes-vous allé voir Catherine? Pour lui proposer un marché. J'avais eu beaucoup de mal à mettre au point ma proposition. Je voulais lui offrir de garder Paul. Alors de quoi s'agissait-il? Je vous écoute. Mais en même temps, je voulais lui faire savoir que j'avais trouvé le moyen de lui rembourser intégralement l'argent qu'elle avait apporté dans notre affaire. Si vous préférez, je voulais lui proposer de racheter ses parts. Oui. Ce qui signifiait que votre tante et vous-même redeveniez les uniques propriétaires des magasins et de l'usine, c'est ça? Oui. Et ce moyen, naturellement, vous ne l'aviez pas? Non. Ah. Mais je savais que Paul, mis au courant, hésiterait à s'engager davantage avec elle. Si vous voulez, ça me faisait gagner du temps. Oui, mais en fait, c'était un peu enfantin comme raisonnement, vous ne trouvez pas? Sans doute.
Il est toujours enfantin de chercher à gagner du temps. Je suppose qu'il vaut mieux provoquer les crises plutôt que de vouloir en atténuer les effets en les prolongeant. Et puis j'avais peur de mettre Paul devant une alternative qui ne me laisserait pas obligatoirement vainqueur. Je ne suis pas très sûre de moi vis-à-vis de Paul. Et alors, qu'est-ce qu'a répondu Catherine à votre proposition? J'ai pas vu. Je suis allée au laboratoire immédiatement après le déjeuner, vers 1h30, mais elle était occupée dans un autre service. À la publicité, je crois. J'ai attendu quelques minutes, le temps que le courage m'abandonne, puis je suis partie. Sans être entrée dans son bureau? Et si, c'est dans son bureau que j'ai attendu. Alors, qu'est-ce que vous y avez fait, là? Rien. Hein? J'ai attendu, c'est tout. Vous vous êtes pas servi un verre au bar qui est installé, non? Un verre? Oui. Non. Bon. Ensuite? Je vous l'ai dit, monsieur le commissaire, je suis rentrée ici et j'ai veillé au préparatif du cocktail que nous donnions en fin d'après-midi. Seule? Toi, seule. Ah, je veux dire, vous vous êtes occupée de ça toute seule? Non, bien sûr, il y avait les domestiques. Et puis Duchemin aussi, naturellement, qui est descendu après sa sieste vers 3h. Paul n'est arrivé, lui, que beaucoup plus tard, presque avec les premiers invités. J'aimerais bien savoir si vous pensez comme votre tante, vous. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est follement amusant d'être interrogé par la police. Sans doute suis-je moins à l'aise qu'elle. Ah oui, mais pourtant, comme elle, vous êtes passé à travers. En êtes-vous tellement convaincu? Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Épouser Paul. Car ma tante a tout à fait raison, monsieur le commissaire. J'ai tout lieu d'être satisfaite de la disparition de Catherine. Alors, récapitulons tout ça, Maxime. Vers 2h, la charmante vieille dame se rend à son usine pour visiter son domaine et encourager de sa présence les travailleurs. Elle va dans le bureau de Catherine, mais celle-ci, très affairée, la laisse seule. Ulcérée, la charmante vieille dame rentre chez elle. Mobile, une traite impayable et que la disparition de Catherine rend nulle et non avenue. Et mobile, encore plus important, la mort de Catherine la laisse enfin unique propriétaire et maîtresse de ses biens. Bon, alors au mari maintenant. Lui, il rencontre sa femme vers 2h30. Elle lui offre un verre, puis toujours très occupée, elle le laisse également quelques instants. Il part à son tour et va aux courses. À noter que c'est le seul qui ne viendra pas au cocktail. Oui, il est pourtant invité par Duchemin, seulement il n'ose pas venir. Mobile, sa femme veut divorcer et perspective qu'il lui ôte l'espérance de toucher un jour une rente qui lui permettra de voir venir. Oui, et mobile plus immédiat, la mort de sa femme lui permet d'emprunter sur cette rente et de payer une dette de jeu. Voilà. Alors maintenant, à la nièce. Charmante. À la charmante nièce, si tu veux. Alors elle va au laboratoire vers 1h30, reste seule, elle aussi, dans le bureau de Catherine, puis découragée, elle rentre chez elle où des mondanités l'attendent. Mobile, elle récupère intégralement l'héritage auquel elle aura droit. Et comble de bonheur, elle épousera l'homme qu'elle aime. Oui, alors l'homme qu'elle aime, parlons-en un peu de celui-là. Il partage, entre autres, le bureau de Catherine. Il fait ce qu'il veut, sans qu'on puisse vérifier. Il se heurte à Catherine sur la propriété d'un brevet, mais un accord intervient qui semble leur convenir à tous les deux. Mobile. Alors là, il faut bien reconnaître qu'il n'y en a pas. Eh oui, et pourtant, il va sortir bénéficiaire, lui, de cette aventure. Il dispose seul d'une marque de parfum qui va lui rapporter des droits considérables, et il va pouvoir accepter, sans se faire violence, l'amour d'une riche héritière que son blason redoré va parer de toutes les qualités. Ah, lui, il épousait une usine et il va trouver une jeune fille dans la corbeille de noces. Alors, vraiment, de quoi se plaindrait-il? Oh, mais il ne faut pas rester dans le noir, messieurs. Pourquoi n'allumez-vous pas? Autant vous le dire tout de suite, je suis en service commandé. Cécile s'inquiète de ce que vous pouvez bien comploter. Pour être franche, elle est moins inquiète que curieuse. C'est bien légitime, n'est-ce pas? Que dois-je lui dire? S'il vous plaît, madame, depuis quand êtes-vous à son service? Oh, voilà bien longtemps, monsieur le commissaire. Moi, je n'ai aucune coquetterie, cela fera 42 ans à Noël. Aussi, quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression d'avoir toujours habité cette maison. Presque d'y être née. Je suis installée ici comme ce trumeau, là, au-dessus de cette cheminée, pour n'en plus bouger. Parce que c'est ma place. Oui. Quelles sont vos fonctions ici? Très variées, et je crois aussi indispensables.
C'est un peu ma fierté de penser cela. J'ai un titre, savez-vous, gouvernante. Comme s'il était possible de gouverner lorsque Cécile est quelque part. Mais je conseille quelquefois. Et comme mon intérêt se confond avec celui de la maison, on m'écoute de temps à autre. Oui. Puis je tiens compagnie à Cécile aussi. Lui tenir compagnie consiste à l'écouter parler. Elle raconte souvent les mêmes histoires, mais avec un tel brio qu'on a l'impression qu'elles sont nouvelles. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais elle a un certain caractère. Oui, vous avez l'air de l'admirer. C'est vrai, j'aime la force chez les femmes. Chez les hommes, il semble qu'elles soient naturelles. Oh, pas toujours. Oh, mais chez les femmes, cela demande souvent beaucoup d'efforts. J'ai vu Cécile dans bien des situations, mais elle s'en est toujours tirée, et sans la moindre apparence de lutte. Bah oui, mais pourtant, cette fois-ci, il semble bien qu'elle ait été à terre, hein. Que voulez-vous dire? Ben, je veux dire que sa faillite était certaine. Que si le hasard lui avait pas donné un petit coup de pouce, là, elle se serait pas relevée. Ah, mais voilà bien ce qui est admirable, monsieur le commissaire. C'est que toujours le hasard lui a donné un petit coup de pouce, comme vous dites. Vous n'avez jamais été marié, vous? Non. Pourquoi? C'est pas indispensable pour vivre. Non, ça, bien sûr. Enfin, vous n'avez jamais souhaité l'être? Si, une fois. Mais il y a si longtemps. J'avais 25 ans. À cette époque-là, les filles étaient plus crédules, moins averties que maintenant. Mais pourquoi parler de tout cela? Que dois-je dire à Cécile? Enfin, pourquoi vous êtes-vous pas marié? Oh, vous soutenez, monsieur le commissaire. Mais pas parce que je n'étais pas riche. Alors je suis entrée ici. D'abord comme une fille entre au couvent. Et puis j'ai fait ma place. Je suis heureuse. Je ne regrette rien. Il faut dire que j'ai eu Huguette. Huguette? Huguette, oui. Elle a été confiée à Cécile, mais en fait, c'est moi qui l'ai élevée. Ah, bon. Non, mais voyez-vous, Cécile, face à face avec un enfant. Elle avait tant de choses à faire. Cette maison était lourde et les affaires l'ont toujours accaparée. En plus, les enfants ne la touchent guère. Peut-être même l'irritent-ils. On a l'impression qu'elle leur en veut d'être encore là quand elle n'y sera plus. C'est un peu complexe comme sentiment, mais je crois que c'est ça. Alors j'y considérais Huguette comme, non pas comme mon enfant, non, mais comme mon bien, dont j'étais responsable. Cette responsabilité m'a apporté plus de joie que d'angoisse. Cécile avait raison tout à l'heure quand elle vous disait que j'avais la vocation du dévouement. Mais dans le dévouement entre toujours une large part d'égoïsme. On se dévoue pour s'accrocher à quelque chose. Moi, je me suis accrochée à Huguette. Et Catherine? Catherine? Oui, Catherine. Comment avez-vous accueilli son arrivée à la maison à Catherine? Catherine n'était entrée que dans les affaires. On ne peut pas dire qu'elle soit entrée dans la maison. J'avais pas de rapport avec elle. Je me suis toujours tenue à l'écart des affaires. Ma place n'est pas là. Et Paul? Paul, c'est différent. Nous l'avons beaucoup vu à la maison. Et vous l'aimiez, vous, ce Paul? Mes sentiments pour lui importent peu, mais Huguette l'aime. Et vous la mettiez pas en garde contre l'arrivisme, justement, de Paul Gérard? Parce que c'était votre rôle de lui ouvrir les yeux, quand elle même. Elle ne m'aurait pas écouté, je viens de vous dire qu'elle l'aime. Et même si elle m'avait écouté, cela l'aurait-il empêché de souffrir? Comment avez-vous réagi en apprenant la mort de Catherine, vous? Sans grande émotion, si c'est ce que vous voulez savoir. Il est dans l'ordre des choses que ce qui est nuisible disparaisse. Parce que Catherine était nuisible. Oh, autant qu'une femme peut l'être lorsqu'elle est ambitieuse, fortunée et encore jolie. L'ambition qui est nécessaire à un homme est souvent redoutable chez une femme. Il bâtissait sur les constructions des autres. L'ombre, aussi modeste soit-elle qu'on pouvait faire autour d'elle, lui était insupportable. Le bonheur des autres, non même pas le bonheur, mais l'idée du bonheur des autres la rendait malade. Le bonheur d'Huguette, par exemple? Le bonheur d'Huguette. Et ce bonheur, vous l'auriez défendu, vous? Oh, on ne défend bien que son propre bonheur, monsieur le commissaire. Huguette pouvait très bien défendre le sien elle-même. Et son mari? Le mari de Catherine? Oui, le mari de Catherine. Qu'est-ce que vous en pensez de ce bonheur? Mais rien. Je veux dire qu'il n'est pas un homme dont on peut penser quelque chose. Ne l'auriez-vous pas soutenu sur le refus qu'il opposait à sa femme pour leur divorce? Non, mais pour le soutenir, il lui fallu qu'il me demandât son appui. Oui, mais justement, cet appui, est-ce que vous lui auriez accordé, vous? Sans doute, oui. Sa présence, aussi falote qu'elle fût, lui était tout de même à rempart. Vous le rencontriez souvent? Qui? Le mari de Catherine? Oui. Mais pourquoi voulez-vous que je le rencontre, enfin? Nous n'avions rien à nous dire. Peut-être l'ai-je rencontré une ou deux fois, en tout et pour tout. Et il y a longtemps? Ah, oh, oui, certainement. Tout à fait au début de l'arrivée de Catherine. Et depuis, jamais? Non, mais encore une fois, nous n'avions rien à nous dire. Oui, oui. Ah, puis-je rejoindre Cécile, monsieur le commissaire? Elle doit être vraiment inquiète. Oui, non, vous permettez encore une toute petite minute, s'il vous plaît. N'êtes-vous pas étonné que personne dans cette maison n'ait supposé un seul instant que Catherine se soit suicidée? Suicidée? Mais personne n'en a fait ni à songer. Catherine se suicidant? Mais cela ne correspond pas à l'image qu'elle nous a donnée d'elle-même. Il doit sûrement falloir atteindre pour se suicider à un degré d'émotion dont elle était incapable.
Je pense également qu'on doit choisir pour se suicider un moyen plus rapide qu'un acide dont on ne sait pas très bien les effets. Je trouve normal que personne n'ait eu cette pensée. Maintenant, il me faudrait rejoindre Cécile. Non. Encore une petite chose, s'il vous plaît. Comment expliquez-vous que le mari de Catherine ne soit pas venu au cocktail? Qui aurait-il fait? Oui, évidemment. Peut-être aussi n'a-t-il pas été invité. Peut-être, oui, en effet. Ben pourtant, vous l'aviez invité, vous. Moi? Oui, vous. Vous qui venez de me dire que vous ne l'avez pas rencontré depuis plusieurs mois. Comme vous venez de me dire aussi que Catherine est morte après avoir absorbé de l'acide. Alors que ni les journaux, ni moi, ni mon adjoint n'en avons parlé à personne. Hein? Asseyez-vous. C'est inutile maintenant. Vous n'avez pas fait votre sieste hier, hein, comme le suppose Huguette. Non. Paul nous avait raconté ici même les propriétés de cet acide qu'il avait découvert, et il nous avait mis en garde contre le danger qu'il représentait. D'une part, je voyais Cécile, qui arrivait au terme de sa vie, allait connaître la faillite, l'expulsion, la misère. D'autre part, je voyais Huguette ruinée et amoureuse d'un homme qui n'en voulait qu'à l'argent. Alors? Alors vous vous êtes revue à l'âge de 25 ans. Amoureuse, vous aussi, d'un homme que votre peu de fortune a éloigné de vous. Et vous n'avez pas voulu pour Huguette qu'elle connaisse à son tour la carrière du chemin. Alors vous êtes allée au laboratoire, dans le bureau de Catherine. Vous avez pris le petit flacon sur son bureau, puis vous avez versé quelques gouttes dans son verre. Puis en sortant, vous avez rencontré son mari. Alors là, prise au dépourvu, vous l'avez invité au cocktail. Puis vous êtes rentré ici pour aider Huguette. À l'heure où, d'habitude, vous terminiez votre sieste. C'est ça? Oui. Il va me falloir vous suivre maintenant. Oui. Je suis presque prête. Je n'ai rien à emmener. Finalement, je n'ai rien à moi. Il n'y a qu'une chose qui m'inquiète. Que vont-elles devenir sans moi? Suivez-moi, madame. C'est dommage. C'était la seule de cette maison à avoir une âme. Quel imbécile qui a dit que le dévouement n'était pas une vertu féminine.